Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve pour un jour, un épisode, toujours hardcore, toujours sans dormir. Et j'ai fini, si on peut dire, le système de cuisson. Alors, le système de cuisson, j'ai juste décalé, hein, comme je disais hier. J'avais pas bien calculé mon coût. Voilà, on va aller voir en bas, vous allez voir. Hop, faut passer vite parce que sinon on empêche le minecart de bien circuler. Donc il vient chercher le bambou ici, il en récupère, il repart, il en récupère, il repart, voilà. Il y en a encore largement assez. D'avance, ça descend très vite quand même. Voilà, bon, de temps en temps, il y en a qui se mettent dans le coffre de trop plein ici. Donc il faut venir faire, hop, un petit rajout là. Mais ça va super vite. Vous voyez, là, de toute façon, il récupère moins vite qu'il ne se mette dans l'entonnoir pour l'instant. Mais ça, c'est pas grave, de toute façon. Pourquoi? Eh bien, parce que de toute façon, l'usine qui ne suit pas, c'est l'autre. Visiblement, pourtant, trois plateaux de cactus, mais regardez, il y en a déjà plus. Donc forcément, les fours tournent au ralenti. Ils tournent pas tout le temps. Après, c'est pas forcément l'objectif, je pense. Mais regardez déjà tout ce qu'on a cuit. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. Donc on a cuit tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et tout ça. Voilà, donc bon, avant que ce soit plein, il y a de la marge. Excusez-moi. Mais quand ce sera plein, on fera une poubelle pour que le trop-plein se vide. On va bloquer du coup la descente dans les coffres pour récupérer l'XP. Je suis à 44 d'XP. Alors par contre, il faudrait qu'on mette un truc à cuire. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Eh ben, on va mettre ça, voilà, tout simplement. On va en profiter qu'on a des choses sympas à cuire. Donc ça, c'est mon bazar que j'ai récupéré au fur et à mesure là, des petites aventures du moment. Non, ça c'est pas à cuire, ça c'est là-haut à cuire, voilà. Alors, on va mettre tout l'or ici, voilà, ça va nous cuire l'or déjà. Ici, on va mettre... il y a deux fours encore qui ne fonctionnent pas, donc on va mettre le fer ici. Ici, on va mettre l'autre moitié du fer. Hop, voilà, c'est parti. du coup... Voilà, je vais pouvoir récupérer ici, comme vous pouvez voir. Oh bah attendez, là par contre, ça va pas du tout. Il y en a 64 là qui se sont mis sur le premier. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. S'ils se mettent sur le premier d'abord... Ah ouais, ok. Ouais, donc tant que c'est pas plein là, il va continuer, en fait, à en mettre... Ouais, c'est une répartition qui n'est pas optimale, du coup. Faudrait travailler tout ça. Mais bon, ça fonctionne. C'est l'essentiel. Et là, l'idée, c'est de voir un peu combien on va récupérer d'XP. Alors, on est à 44, donc je récupère déjà l'XP de tout ce qui a été cuit, qui est déjà dans les coffres. Hop. Paf, deux levels. Là, je récupère l'or, mais on va attendre le dernier. Poum, 48, encore deux levels. Bon, on va récupérer tout de suite, mais hop, 49. Évidemment, je vais en gagner beaucoup moins, puisque on arrive, voilà, 50 levels. Mais vous voyez, à chaque fois, je prends un level quand même, alors que je suis dans des levels très élevés. Et là, encore un level. Je suis monté de 44 à 51 avec ce que j'ai cuit, là. Donc c'est quand même relativement impressionnant tout ce qu'on peut récupérer. On va juste attendre que la cuisson du fer se termine. Voilà, bah du coup, ça y est, le cactus c'est parti. Vous voyez là, ça va être la canne à sucre, le bambou qui va manquer. Donc ça dépend des endroits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir à la main. De temps en temps, un petit passage comme ça peut-être optimiser un peu l'histoire. Ouais, ça, vous voyez, ça se répartit pas forcément de façon équilibrée entre les différents entonnoirs quand ils passent au-dessus. Peut-être parce que ça arrive trop vite, je sais pas. Voilà, on peut sûrement optimiser globalement tout ça, mais bon, l'idée c'était déjà de voir un peu ce que ça donnait, et bah ça donne bien. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même pris, alors que je suis dans des levels élevés, donc 44 à 51. Ça fait 7 levels, 7 levels et demi même de prix. Je pense que je prends 30 levels facile quand je suis en mode normal. Donc ça, c'est en plus une usine, vous la mettez à votre spawn. Elle tourne tout le temps dès que vous êtes connecté, aucun joueur est connecté en multijoueur. Et du coup, c'est de l'XP facile, quoi. Juste à bloquer les entonnoirs en dessous pour récupérer. Le fer ne se termine pas vite. Ça m'agace, parce que du coup, bah tant pis, on va le faire cuire ailleurs. Voilà, on va remettre le cactus pour ce qui reste. Hop, on réactive pour que ça aille dans les coffres. Pouf, c'est reparti, voilà. Donc là, bah, on va avoir masse teinture verte. Hein. J'en ai déjà dans mon shulker, donc je vais pas reprendre, c'est pas la peine. On va récupérer la shulker
Et alors, on a élucidé autre chose avec les copains. Ok, là j'ai beaucoup trop de choses, mais c'est pas grave, tant pis. L'histoire du progrès. Le fameux progrès qui nous casse les pieds là, enfin qui me casse les pieds. Et pourtant, il est très rentable parce qu'il rapporte 4 shulkers. Bon, là j'aurais du rangement à faire aussi. 4 shulkers de. 4 carapaces de shulkers. Donc ça fait 2 shulkers à récupérer, donc quand même rentable. J'ai aussi optimisé ici là le nombre de coffres pour les citrouilles et pastèques parce que ça n'arrêtait pas. Hop, alors du coup, ce qu'ils m'ont expliqué, enfin ce qu'eux ils ont réussi à faire, c'est que quand je le fais dans les grottes, j'ai des interruptions. Il faut que je fasse le progrès avec moins de 5 secondes d'interruption entre chaque... Oh mince, un golem à l'intérieur. Entre chaque chorus, donc j'ai repris un 64 chorus. Eux l'ont fait sur une plage au niveau de la base, la plage des tortues. Et là ça s'est bien passé parce qu'ils n'ont pas été TP dans le sous-sol. Ils sont restés sur place. Donc on va tenter cette histoire là parce que effectivement c'est peut-être la meilleure méthode. Hop, donc on va aller faire ça tout de suite. Tout de suite, comme ça on sera à la base aussi pour ranger un petit peu tout mon bazar, mettre à cuire tout ce qui va bien. Alors voilà, Elf a continué a continué à mettre des boutons partout. Donc voilà, non, sauf que là du coup, hop, je vais chez les abonnés, et moi je vais aller par là. Et il a aussi continué à préparer le chemin pour aller vers la jungle. On ne l'arrête plus, un invité de choc encore. Je n'ai que des invités de choc, ils sont à fond, je vous rappelle, hein, pour les rejoindre, il suffit de faire rejoindre ma chaîne et de prendre au moins l'option 2 ou l'option 3. Voili, voilo. Hop, alors, là c'est Temple de la Mer et Noire, ça on ira plus tard. Je pense qu'on se fera peut-être un petit live dimanche avec les copains pour l'usine Aguardienne s'ils sont dispo. Puisqu'on avait bien avancé il y a une semaine, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne termine pas. Et puis après on a un gros build à faire sur une idée de Dowin, un build Star Wars. Vous l'avez vu sur la miniature du live pour ceux qui ont regardé. Et 51 levels, il y a un progrès, c'est 100 levels. Donc, je pense qu'on va pas trop dépenser d'XP si c'est possible. Et on va essayer de l'atteindre ce petit progrès là pour les enchantements. Ah oui, j'avais dit aussi qu'il faudrait peut-être qu'on optimise un des spawners à araignées, des multiples spawners à araignées. On en a juste à côté du spawner à squelette, donc c'est mieux placé. Pour récupérer du fil et des yeux d'araignée. Et j'ai oublié de ramener des carottes dorées pour faire la potion d'invisibilité. Zut, de crotouille. Zut de crotouille, c'est pas grave. Alors, déjà, hop, tant que j'y pense, hop, on met le fer là. On met ce qu'on a déjà récolté ici. Et on va d'abord s'occuper, du coup, de ce fameux progrès qui nous résiste. Un petit déjeuner de magicien, paraît-il. Donc, on va se mettre à un endroit, il fait jour, 15h46, un endroit un petit peu plus... un petit peu moins téléportant, on va appeler ça. Dowin l'a réussi à cet endroit-là et elle fait un autre endroit, je crois. Mais nous, on va se mettre là, donc, au niveau de la plage des tortues. Et c'est parti. Allez, on mange du chorus. Voilà, on se téléporte pas dans le sous-sol, donc ça, c'est parfait. Par contre, voilà, je sens qu'on va quand même se téléporter un moment. Donc là, moi, je lâche pas le bouton, hein. C'est simple. Quoi qu'il arrive, je ne lâche plus le bouton jusqu'à ce que je sois au bout. Il y a moins de 5 secondes normalement entre les deux. Le mécanisme des chorus est assez particulier. Hein. C'est un TP aléatoire du coup, donc forcément. Allez, on croise les doigts, ça va être la bonne cette fois-ci. On va y arriver. Ça va prendre un certain temps. Il va peut-être faire nuit d'ailleurs. J'aurais peut-être dû faire ça au début de l'épisode et pas à quelques minutes. Aïe aïe aïe. Je viens de voir là, 17h13. Et j'en ai pas fait la moitié. Aïe aïe aïe. Il n'y a plus qu'à espérer que ça spawn pas tout de suite, surtout les fantômes, parce qu'ils vont m'interrompre entre deux. Ah bah, me voilà dans l'enclos à tortue. Allez. Une petite demi-heure encore. On arrive au milieu. Allez, ça va le faire, ça va le faire, on y croit, on croise les doigts. On s'accroche, regardez le magnifique coucher de soleil.
Moi je lâche pas le bouton droit, quoi qu'il arrive, je lâche pas le bouton droit. J'ai mon totem dans la main, de toute façon, je m'en fous. Je lâche plus. Je lâche plus l'affaire. Non, ça fait 3 fois que j'essaye quand même. Allez, il en reste plus que 20. Si les fantômes veulent bien ficher la paix. Bon, la vitesse où ils arrivent, normalement, je devrais être tranquille. Allez, 22. 21. 20. Oh là là, où ça m'emmène là? Ah, il y en a un qui m'a pas TP, j'aime pas ça. Ah zut, j'ai été TP à l'intérieur. À l'extérieur. Voilà, si à cause de celui qui m'a pas TP, je l'ai pas, je me le donne. Parce que là, franchement, j'ai pas lâché le bouton droit. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Ça marcherait pas. Ah, voilà les fantômes. Là, ça craint. Voilà, je vais me prendre des dégâts. Heureusement, j'ai une bonne armure. Allez, il m'en reste plus que 3, je m'en fous, tant pis. Il n'y a pas eu 5 secondes entre chaque. Hein. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, punaise. Le petit déjeuner de magicien. Eh ben, celui-là, c'était un progrès qui se méritait. Hein. Donc, effectivement, le fait d'avoir eu le creeper l'autre fois et puis d'avoir tapé le zombie, ça avait dû m'interrompre. Et du coup, c'était ça sûrement qui m'avait empêché d'avoir le progrès. Eh ben, celui-là, je peux vous dire, il se mérite. Hein. Oi, 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 trouver 64 chorus, c'est facile, hein, on a fait une usine. Mais alors, par contre, se mettre au bon endroit et arriver à le faire dans un laps de temps relativement court, eh bien, c'était pas gagné d'avance. Alors, du coup, je crois que j'ai plus de coffre, par contre, dans ce shulker de bazar. D'ailleurs, hop, on va commencer à ranger un petit peu. Voilà, il me manquait du colorant vert, puis on va se faire 10 colorants verts. Hop, clair. Voilà, comme ça, on aura toutes les couleurs disponibles cette fois-ci. Voilà, voilà. Palabalam et des coffres. Alors normalement j'en ai d'avance dans ce shulker là. Hop, voilà, il m'en faut 2. Tic-tac, on en profite, on met les minerais qu'on a d'avance ici. On va faire donc 2 boîtes de shulker et puis ben, on va les coloriser puisqu'il faut une couleur de chaque shulker. Donc là normalement j'ai fait quoi? Ah bah oui, j'ai plus la couleur. Ça c'est un noir, vert, clair, vert, bleu, rouge et gris, j'avais fait. Ok, et ben on va faire une rose et une bleu clair. Voilà. Hop. Est-ce que je peux le faire juste comme ça? Voilà, donc rose j'en avais pas, ça c'est sûr. Et ça non plus. Hop, voilà. Comme ça, j'ai des shulkers en plus. Et plus de place pour les mettre là. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je range d'autre? Palop, palom. Ça, 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 ça. Les yeux d'araignée. La poudre. Les mobs. L'or. Les mobs. Voilà. Hop. On range un petit peu. On en profite. Bon, bah en tout cas, voilà. On est à 595 progrès. Plus que 5. Plus que 5 des 600. Et... ça rigole plus du tout, là. On arrive à 600 progrès. 600 progrès. Pouf, bah si on me l'avait dit au début, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru du tout. Hop, voilà. On a un coffre un peu trop plein. On m'a invité, effectivement, à m'occuper de ma salle des coffres. Il va vraiment être temps que je me penche sur la question. On est d'accord. Hop, et les yeux d'araignée. Ouais, je suis très loin des 64. Il m'en faut 64, zut de crotte. Est-ce que j'ai une petite place pour lui? Voilà, impeccable. Bah là j'ai beaucoup de bazar sur moi. Hop. Tap tap. Alors vegan, ouais j'avais ramené des pousses de sapin parce que je sais, bah, je sais pas pourquoi parce que j'en avais déjà 64. Bon bah voilà, ça c'est fait. Le vert, boum. On a tous nos verres colorés déjà d'avance. Nether. Hop.
où j'ai rangé, voilà, les pierres lumineuses, on va les mettre là. Les tapis, ça va être avec les animaux. Les animaux, j'ai mis ça où? Je ne sais plus où j'ai mis ça. Dans l'hiver, peut-être. Oui, il y a des tapis, là. Mais j'ai plus de place. Ok, c'est le bordel. C'est le bordel. Allez, ça aussi, c'est le bordel. Ok, donc tout va bien. C'est le bordel partout. On va les mettre là, pour l'instant. Dans mob, est-ce que j'ai une petite place? Parce que j'ai une tête en rab. Voilà. Les chaînes, j'avais dû en mettre ici. Non, j'en avais pas mis ici. Ok, c'est pas grave. Hop, on va mettre les fours là. Ploup. Ranger un peu quand même, quoi. Un minimum, si on peut dire. Voilà. Eh, c'est quand même un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Et il me reste juste deux trucs. Voilà, là, c'est la redstone, donc c'est normal. Hop, on récupère les deux shulkers. On va ranger déjà la redstone, parce qu'elle est là, sa place ici. Donc ça, c'est les vides. Et ça, c'est les vides. Ok, donc tout ça, c'est des shulkers vides. On les garde sur nous pour l'instant. Comme ça, on va remettre, hop, les feux d'artifice ici. Les bâtons de champ, on en aura besoin. Ok, on est à peu près pas mal. On est à peu près pas mal. On va mettre les os ici et les silex ici. Hop, il n'y a plus de place. Hop, hop, voilà. Il faudra vraiment que je range. Ouh. Alors, du coup, je disais, il ne reste plus beaucoup de progrès. Il ne reste plus beaucoup de progrès, mais je crois que vraiment, il faut qu'on aille dans le Nether. Préparer la suite de la semaine. J'avais dit qu'on allait quand même se préoccuper un petit peu. Palam, où est-ce que j'ai mis par contre? Où est-ce que j'ai mis? Voilà, les bottes en or. Et puis bah, ça va aller à la place. Impeccable. En plus, il y a de l'orage, donc autant aller dans le Nether. Donc, on va s'équiper pour le Nether. On va aller se faire. On va aller voir la citadelle si elle est appropriée. J'ai encore des feux d'artifice ici qui n'ont rien à foutre. On va voir si elle est appropriée à notre histoire. Hop, donc direction le Nether, il est déjà 2h42. Là, ce progrès des chorus m'aura coûté du temps. Mais bon, on est à 51 levels du coup. J'en ai dû en gagner un petit peu d'XP parce que je vois qu'on est bientôt à 52. Et il y a deux choses donc que j'aimerais faire dans le Nether. C'est pour ça qu'on va aller en repérage tout de suite pour demain et après-demain. Oui, on est mercredi. Hop. C'est repéré pour faire du farm de tête de Wither, parce que voilà, on va y arriver quand même à ce fameux Wither, donc taper du Wither squelette, et puis ben, on va le faire hors cam, mais le farm, mais on va poser quand même la zone de farm ensemble, parce que c'est long de chercher les têtes de Wither, donc il faut qu'on repère un peu, et puis je me serais bien fait, c'est Creux Gaming, Creux Valkyrie à Dodin, qui a repris une usine de Blaze, de spawner à Blaze, qui me plaît bien, qui a l'air pas trop compliqué à mettre en œuvre. Et dans la forteresse où on va là, il y en a. Donc voilà. Donc il y a une autre forteresse si besoin, si celle-là me convient pas. On va juste aller voir. Là, il nous reste 2 heures de in-game vite fait pour aller voir un peu à quoi ça ressemble la forteresse. Il faudra aussi que je me fasse un portail plus rapide pour y aller. Parce que là par là, c'est un petit peu laborieux. Et la dernière fois, je vous raconte pas, on a été accueillis par une flopée de squelettes. Là, vous l'avez vu en live. Hop. Clairement, on n'était pas bien accueillis. Et puis, bah, du coup, on a farmé pas mal de sable des âmes ici. Hop. Donc, j'espère qu'on n'a pas cassé mon accès, par contre. Si, probablement. Hé, on a cassé l'accès. Eh ben, on va le refaire. C'est pas grave. Hop. On enlève un petit peu ici de Netherrack. On la récupère. Et puis, on va se faire un petit accès des familles. Hop, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, par là, hop, hop, et puis un petit passage dans le sable des âmes quand même, mais j'ai les bottes qui vont bien, donc je speed, en fait, faut même faire attention, c'est ici, voilà, bien se repérer, hein. On est dans le Nether, donc on voit pas très clair avec les shaders. Et voilà, il est déjà 5h26, on va se quitter, je pense, à l'entrée de la forteresse, hop. Ok, il y a du pigmen là-bas. Alors, ouais, pourtant, c'est bizarre parce que c'était recommandé.
Ouais, bizarre. Il y a aussi un magma block de ce que j'ai vu. Voilà, j'ai bien vu. Bon, ben voilà, il est parti. Impeccable. Ok, donc là, il y a un spawner à Blaze Way à gauche. Et il y en a un autre juste là. Et il se trouve que ça, c'est une intersection. Et puis là, regardez, il y a du... Bah ben voilà, ça, c'est parfait comme endroit. Par contre, c'est entre deux spawners à Blaze. Waouh. Alors, ça peut être bien parce que du coup, on peut se mettre au spawner à Blaze le temps de... non, parce qu'on va être trop près. On va être trop près. On va essayer de récupérer là déjà les deux cocos là. Youhou ! Ah, mince. Je savais pas s'il allait me voir lui. Voilà, ça m'a ralenti du coup. Bon, lui il m'a vu par contre, c'est parfait. Allez, une petite tête pour bien commencer la journée. Ou terminer l'épisode plutôt. Ah oui, d'accord. Toi, je t'avais pas vu. Ok. Vous faites mal les cocos. Il est où ? Mince, il m'a touché. Ah, la sale bête. Un pilote là-bas qui canarde, évidemment. Bon, et ben voilà, on s'est pris un bel accueil dans le nether. Hop, attention à pas taper ce machin-là. Hop, je me remets dans l'autre sens, le temps de vous dire à demain, si vous le voulez bien. On est donc dans le nether et on va pouvoir enchaîner avec la recherche d'un bon spot pour se faire des têtes de squelette Wither, pour invoquer le Wither, peut-être dès la semaine prochaine, si jamais on a réussi à trouver au moins 3 têtes. J'en ai une d'avance, donc il m'en manque que 2. Allez, je vous dis à demain, si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.